cette première mission, je dois frapper fort et marquer l'esprit du général commandeur Tafouineur. Je viens donc de déposer devant chez Pauline et Étienne une boîte mystérieuse contenant ma première demande, illustrée leur soirée idéale en amoureux. J'espère qu'ils ne croiront pas que c'est une bombe. Psst, hey, toi, oui, toi, discret, faut que je te raconte un truc. Avec Étienne, on a une mission à réaliser. T'es prêt? Attends, il t'explique. Cette mission? Celle de sauver l'humanité. Et vous révéler quelle est, selon nous, la soirée de nos rêves. Alors c'est parti et suivez-nous! Non, t'as vraiment cru que notre soirée de rêve, c'était de faire du sport tous les deux? Mais non, notre soirée de rêve, c'est ça. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing. Pauline et Étienne ont relevé leur première mission, mais avec un peu de retard. Dans ces conditions, difficile d'argumenter en leur faveur auprès de mon supérieur, le général commandeur Tafouineur. Pour leur deuxième mission, je viens de leur faire parvenir des instructions audio. J'espère qu'ils seront à la hauteur. Chers terriens, chers futurs mariés, la planète Terre est toujours en danger, prête à être annihilée par le général commandeur Tafouineur. Ce mois-ci, je compte de nouveau sur vous pour le convaincre de vous épargner. Je vous ai bien observé, et j'ai vu que vous saviez être romantique dans les grands moments. Votre mission, rejouer la scène de la demande en mariage. Alors mouillez le maillot, lancez-vous dans le grand bain, jetez-vous à l'eau. Bon, si vous n'avez pas compris, je vous demande de conclure la scène en vous plongeant dans la mer d'Iroise, si chaude dès le mois de juillet. Allez, alors fais attention que tu marches. Très bien, dans 3 jours c'est mon anniversaire. Donc je sais très bien. Il y a Simon et Sarah qui sont là, c'est ça? Ouais, tu vas voir. Hey, sois patient. Allez, attends, je sais quoi faire pour faire rire Sarah. Prout, 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 prout. Pour le moment, c'est surtout moi qui fais rire. Tu veux devenir ma femme? Étienne et Pauline ont tout donné dans la précédente mission. Quel beau couple! Que les plages de la mer d'Iroise sont belles. Pour mieux connaître ces futurs mariés, j'ai voulu en savoir plus sur leur passion et leur quotidien. Je viens leur poster une lettre dans laquelle je demande au lieutenant Étienne Chapsal de s'improviser instructeur de la rubrique errée et la former aux rudiments militaires. Eh ben voilà, et à la bourre. On est à 5 minutes et 10 secondes. Super, ça va chier. Donc c'est vous là, la jeune Kéré? Eh ben, je vois que la tenue, ça va pas. Hein. Allez, vous allez me faire 10 pompes. Maintenant? Ouais, maintenant, tout de suite, là.
Ah bah ouais, c'est dur l'armée, hein. Allez. Allez, oui, on met les mains par terre, voilà. Ouais, vous allez m'en faire 5. Plus bas? Non mais c'est plus bas les pompes, c'est... Ouais, ok, non mais c'est bien, on a plus le temps. Aujourd'hui, manipulation du fusil à pompe. Bon bah, à vous maintenant. Ouais, c'est pas mal, la deuxième. Ok. C'est bien comme ça, mon lieutenant. Là, vous prenez une visée et vous tirez. Oh, la perdrix! Bien, Kéré, maintenant, on va voir la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie! Voilà, voilà, stop. Vous êtes au Stade de France ou quoi? Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Tum, tum, tum. Je m'inquiète pour l'avenir de la planète Terre. Ce mois-ci, j'ai décidé de corser l'émission, de tester la motivation du couple Kéré-Chapsal, de voir s'ils sont prêts à tout. Pour récupérer leur mission, ils vont devoir arpenter les rues de Saint-Renan et tenter de décrypter les indices que je leur ai laissés. Il y aura même une récompense à la clé. Je te laisse choper le truc, chou. Ouais. Je choperai ce truc. C'est le lavoir. Ouais. Ok. Par contre, moi, je rentre pas là-dedans. Hein. Il coûtait cher au prof le papier d'alu. Il a un puzzle. Ah. I hope so. Mais c'est bien, c'est main comme un vieux. Regardez quand il marche. L'un allait chez Vincent. L'indice est sous le pot de fleurs. Tu l'as. Alors là. Je crois qu'on va avoir des spectateurs. Cri quoi? Repensez-vous, sinon on n'aurait pas tombé dans votre fort. Bonjour, la boulangère a de belles miches. Comment? C'est un message. On nous a forcé, promis. On voulait pas. D'accord, bah manquait plus de ça, ouais. Merci. De la part d'un extraterrestre. Oui, pareil, ouais. Le tafouineur, quelque chose comme ça, un professeur. Il est désormais temps d'attendrir mon chef, le général commandeur tafouineur. La grâce de Pauline et la souplesse de son beau militaire seront évaluées lors de la mission que je viens de leur transmettre dans un diapositif détaillé. Je leur demande de danser un slow dans des lieux qui leur tiennent à cœur. Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître. T'es rempli de charabia, tu ne seras plus rien d'une moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la. Mais qui va se négliger, aimer? Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, vie, vie. Bientôt j'aurai tout à pécher. Oui, oui, jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipos. Les pipos, oh yeah. Des choses étranges sur la planète Terre. Les humains subissent actuellement un nouveau confinement et cela complique la réalisation des missions. L'avenir de la planète Terre étant toujours menacé,
j'ai tout de même ordonné aux futurs mariés de poursuivre leur engagement et de me fournir une photo de bisous masqués. Mais j'entends siffler le train, mais j'entends siffler le train. J'ai beaucoup entendu parler d'une drôle de fête que les humains appellent Noël. Pour me fondre dans leurs coutumes, j'ai déposé devant chez eux ce que Pauline et Étienne adorent, un calendrier de l'Avent. Leur prochaine mission est camouflée dans l'une de ces cases. Il va s'agir pour eux d'écrire leur lettre au Père Noël, exprimant leurs souhaits les plus chers. Il me tarde déjà de voir ce qu'ils vont écrire. Pôle Nord représente, j'en place une pour la mère Noël et tous les lutins dans la place. Ouais, ouais, c'est moi le père Noël. Je viens des quartiers nord, pas ceux de Marseille, plutôt ceux du pôle Nord. Aujourd'hui j'accueille ma Fatma de la pluie d'or. Elle va nous faire son grosse mousse, véritable trésor. Vivement qu'on y goûte, on va se régaler, ça j'en ai aucun doute. Je suis mitigée sur ce que je viens de voir. Pauline aime tout son cœur dans cette mission, mais le lieutenant Chapsal a fait la grossière erreur de remplir sa mission avec un retard considérable. Je ne pouvais pas laisser passer ça. J'ai donc infligé une bonne punition au retardataire. Me présenter la recette de la soupe à l'oignon, puis la déguster bien sûr. Bon appétit! Pour la soupe à l'oignon, on a le fromage et bien entendu les oignons. Donc on émince les oignons, voilà. Bah, je peux vous dire que ça pique. Ah oui, pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai horreur de l'oignon. Ensuite, on prépare le bouillon. Donc un quart de litre. Ah, on dirait que je fais pipi. Pendant ce temps-là, ma grand-mère se fout de ma gueule. Je suis pleine d'admiration parce que n'aimant pas les oignons, il les cuisine quand même. On rajoute la petite feuille de laurier. Hop. Bah, ils sont gonflés de te faire faire des choses comme ça quand même. Ouais, je trouve moi aussi. Mon pauvre petit. Ah ouais, je fais bien. Punaise, si c'est pas dommage de gâcher autant d'ingrédients pour mettre ça dans une soupe à l'oignon. Non mais t'as pas pris, il faut prendre un peu de bouillon tout seul. Oh, mais ça va. Regardez ce qu'elle me fait faire. Un petit peu de bouillon tout seul. Le tafouineur, je le retiens là. Allez, vas-y. Voilà. Ouais, Dieu te le rendra. Hein. C'est quand même oignon, oignon. Hein. Le mariage civil de Pauline et Étienne approche. Je ne sais pas s'ils sont réellement prêts. Je leur ai demandé de s'entraîner devant la mairie de Clou-d'Almézou. J'ai hâte de voir le résultat. On s'aime aujourd'hui. Demain et pour toujours. Chou, c'est la mairie où on va se marier et on se dira oui. Au nom de la loi, je déclare Étienne, Rémi, Philippe Chapsal et Pauline Cadet unis par le mariage. Vous allez vous embrasser et nous on va applaudir à tout le monde. Commandeur Tafouineur commence à se prendre d'affection pour les terriens. Ce mois-ci, je vais enfoncer le clou. Je viens de demander aux futurs mariés de mettre en scène leur petite bête à poils, prénommée Joy, pour montrer pourquoi le chat est le meilleur ami de l'homme. Mon chat est imbattable, mon chat est trop malin, mon chat est adorable, mon chat fait trop de bruit, mon chat est délicat. Mon chat est trop subtil, mon chat est psychopathe, mon chat aime trop son maître, mon chat est trop aimable, mon chat et moi on s'aime. Pour cette nouvelle mission, j'ai longuement étudié les moindres faits et gestes de ma terrienne préférée, j'ai nommé Pauline Quéré. Ainsi, par courrier, j'ai demandé à Étienne de se mettre dans la peau de Popo le temps d'une journée. Interdit. Il y a un retard. On va faire un petit café quand même d'abord parce qu'il faut pas déconner. J'ai pas vu mes fifi aujourd'hui.
Elles sont où mes fifi? Oh, c'est ma fifi ça. Oh oui, ma fille t'aime bien les câlins. Merde, j'aurais pas dû prendre le café, je suis à la bourre. Je mettrai rouge à lèvres dans la voiture, c'est pas grave. Allez, zou. Au revoir ma fifi. Rouge à lèvres. C'est une option, connard! Il est 9h, je commence à 9h, putain. Coucou les filles, désolé, je suis en retard. Bonjour, bienvenue à l'Office Iroise Bretagne, que puis-je pour vous? Ah, Doudou, je vous ai pas raconté? Ah oh là là, il m'est arrivé un truc ce week-end. Ah. Attends, je me mets là parce que. Pour te raconter quand même. Ah, j'ai passé une bonne journée, hein. On va rentrer, puis après il y a basket. Hein. Je vais me poser un petit peu à la maison, je vais me faire un petit truc à manger. Moi je vais faire des carottes. J'aime bien les carottes. Ah là 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 là, faut que j'en mange, Étienne et Lily, parce que ça rend aimable. J'ai encore l'espoir que Pauline et Étienne me fassent parvenir leur faire-part de mariage. Je suis bien déçue de me retrouver encore bredouille. Quoi qu'il en soit, je compte bien les honorer de ma présence le 12 juin prochain. J'ai compris qu'il serait difficile d'embrasser les mariés pour les féliciter le jour J. Je leur ai donc envoyé une carte postale dans laquelle je leur ordonne de s'entraîner au Nanana Challenge. Je suis déçue, qu'est-ce que je suis déçue, j'ai jamais été aussi déçue. À ce jour, je n'ai toujours rien reçu. J'étais l'exécutante et que ça, c'était comme ça pareil au lit. Je fais qu'exécuter ses ordres. C'est lui le chef. Plus qu'un mois avant le grand jour. Ça chauffe pour la planète Terre. Les futurs mariés vont devoir redresser la barre en un rien de temps. J'ai été malicieux ce mois-ci. Je me suis introduit chez Pauline et Étienne et j'ai glissé un petit mot dans le meilleur tome des Harry Potter. La prochaine mission sera réalisé le jour du mariage civil. Ils devront profiter de ma présence pour faire un selfie avec moi. Je crois qu'il veut prendre une photo. Il veut prendre une photo avec toi. Eh ben, avec toi. Oui, quelqu'un peut, qui parle sa langue peut nous dire ce qu'il préfère. Un selfie. J'ai apprécié cette année de collaboration avec Monsieur et Madame Chapsal. Leur effort et leur engagement ont permis de sauver la planète Terre. Je garde un souvenir impérissable de ces moments partagés. Bravo, bravo les terriens, vive les mariés et vive l'amour. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Sonic Man out of you. Don't stop.
Sonic Man.